La première chose à faire, c'est prendre refuge dans les trois joyaux, c'est-à-dire qu'on fait trois prosternations. Les trois joyaux, c'est le Bouddha, qui a donné les enseignements historiques il y a 2600 ans. Ensuite, c'est le Dharma. Le Dharma, ce sont les enseignements bouddhistes. Et ensuite, c'est la Sangha. La Sangha, c'est la communauté des moines qui transmet ces enseignements bouddhistes. Ensuite, on s'assoit. Et suivant le jour de pratique, parce qu'on va pratiquer une divinité différente selon le calendrier lunaire, et on peut pratiquer Guru Rinpoche, ou on peut pratiquer Yeshe Sogyal, ou le Bouddha de la médecine, ou le Bouddha de la compassion, ou alors Tara, la libératrice. Donc on pratique suivant un livre de pratique qui est en tibétain, et on pratique uniquement en tibétain. Le maître qui a importé le bouddhisme au Tibet, c'est Guru Padmasambhava, ou Guru Rinpoche. Il a amené le bouddhisme au Tibet au 7e siècle. Il a construit le premier temple à Samye, au Tibet. Et c'est la statue centrale que vous pouvez retrouver, qui est en fait ici la représentation de Guru Rinpoche. Ensuite, vous avez différents Bouddhas qui sont dans les petites vitres derrière. Vous avez le Bouddha de la connaissance, c'est celui qui a une épée qui tranche l'ignorance. Ensuite, vous avez le Bouddha Chenrezig, c'est le Bouddha de la compassion, représenté sur Terre par le Dalai Lama. Ensuite, vous avez Tara, la libératrice, c'est le seul Bouddha féminin qui peut se décliner en 21 versions. Ensuite, vous avez le Bouddha Sakyamuni, le Bouddha historique qui a donné les enseignements il y a 2600 ans. Ensuite, vous avez le Bouddha de longue vie, le Bouddha Amitabha. En fait, la tradition tibétaine veut que les temples qui sont construits soient construits par les pratiquants eux-mêmes de la communauté qui va faire le temple. Donc, on a respecté cette tradition, puisqu'on a ici tous les codes des temples tibétains traditionnels. On a voulu respecter cette tradition. Et donc, chaque pratiquant, selon sa disponibilité, ses compétences, et puis aussi, pour certains, un apprentissage, nous avons tout fait par nous-mêmes. Mis à part le gros œuvre, bien sûr, parce que là, c'était un peu compliqué. Mais en fait, tout ce que vous pouvez voir, la décoration, les ornements, les trônes ont été faits par quelqu'un, la sérigraphie aussi. Voilà, tout le monde a mis ses compétences, son temps, son enthousiasme et sa détermination pour pouvoir réaliser ce temple-là fait main.